Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est, et oui, juste pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière encore en 2019. Contre vents et marées. Puis on va la parler, ça, on va la parler cette langue-là encore longtemps. Mais on va se faire endoctriner encore aussi, intensément et longtemps par cette belle langue de Molière qui est utilisée par les médias, par les gouvernements, les élus, les artistes, pour nous endoctriner avec la même idée, la même idéologie, le même, la même école de pensée unique, toujours la même. Il n'y en a pas d'autre. De permise, c'est celle des frontières ouvertes, c'est celle du globalisme, c'est celle des impôts, des taxes, des accords de Paris. C'est la fin du monde, même si ce n'est pas la fin du monde. C'est les, les villes côtières submergées, même si ça n'arrive pas. C'est le réchauffement, même si ça n'arrive pas. C'est... Endoctrinement, par-dessus endoctrinement, mais on essaye de lutter contre ça ici, puis c'est important de le faire. C'est important d'être rationnel, de reconnaître que oui, il y a des changements climatiques, mais on ne peut rien y faire. Ce sont pas les taxes et les impôts qui vont y changer quoi que ce soit. Puis ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Le CO2 est essentiel. Il est à un niveau très bas 300, 350 particules par million. Vraiment, des fois, même inquiétant. D'autres époques de dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire de la Terre plutôt, le CO2 était à des niveaux de 4, 5, 6, 7 000, 8 000, 9 000. Et il y avait une végétation luxuriante, des fougères qui avaient 25 mètres de haut. Le CO2 est essentiel à la vie, a une durée de vie dans l'atmosphère de 4 à 5 ans, est recyclé par les océans, par l'eau, euh, la terre, les pierres, les arbres. Et. Par le principe de la photosynthèse, là, et ce, ce, ce CO2-là est transformé en oxygène. Donc, je pense que c'est vraiment très, très suspicieux ce que nos élus font avec le CO2. C'est pour s'en mettre plein les poches avec une, un démon, une théorie de la peur. Et c'est ça qu'il faut exposer. Ceci étant dit, la pollution est extrême, puis ça, on en. On s'en soucie pas, on n'en fait pas un grand plat. L'air est irresplicable au Mexique, en Chine, un peu partout où on a vraiment laissé aller les choses. Nos qualités d'eau laissent à désirer, mais ça, ce n'est pas important. Le CO2, c'est avec ça qu'on s'enrichit. Pendant ce temps-là, il y a le Seigneur Tout-Puissant qui est réapparu dans le ciel, cette fois en Argentine. Une photo virale d'une figure ressemblant à celle du Christ, avec une couronne capturée en Argentine plus tôt cette semaine, a pris d'assaut Internet. La photo qui ressemble à Jésus-Christ avec les bras levés a été capturée par la photographe amateur Monica Aramayo dans la ville de San Salvador des Jujuy, en Argentine. Elle a reconnu la figure sacrée dans la lumière qui brille à travers les nuages et a pu prendre rapidement une photo de celle-ci mercredi. On peut imaginer, on peut extrapoler, mais c'est une belle photo quand même qui nous, naturellement, nous fait penser. Hein? Il ressemble à Jésus qui apparaît au-dessus de l'Argentine en mai 2019. Ça nous rappelle une autre photo qu'on avait vue. On la revoit ici sous un autre. Et les gens commentent hein, en disant, nous avons vraiment besoin de lui. Les utilisateurs de médias sociaux ont commenté cette observation rare en disant, nous avons vraiment besoin de lui. Certains ont comparé à la statue de, du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, qui surplombe la ville il y a quelques mois à peine, début mars. Hein? Tout le monde se rappelle ça, mais une autre figure céleste dans le ciel a été capturée au-dessus de l'Italie aussi. Tout le monde s'en rappelle Alfredo Lobuto, il y a environ deux mois. Donc, l'image d'Italie ressemble beaucoup à celle que l'on vient de photographier en Argentine. Qu'en pensez-vous Donc, je voulais vous partager ça parce que je sais que beaucoup de gens... Euh, sont chrétiens. Beaucoup de gens sont chrétiens sans être catholiques. Hein? Moi, je suis chrétien dans le sens où je suis... Un, un, comment dire? Un, un adorateur de Jésus fini, un hein, vraiment fini Jésus. Mon seul et unique Seigneur, mais sans religion. Parce que c'est sûr que Jésus, comme je le connais, de ce que j'ai pu lire de son histoire, de sa vie et de sa mission... Il n'en voulait sûrement pas d'une église catholique incapable de faire quoi que ce soit, sauf s'enrichir, protéger les riches et les dirigeants, et vivre dans l'opulence et des costumes et des costumes différents pour chaque journée <laughs> et chaque événement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fervents ou qui sont comme moi adorateurs de Jésus. Eh bien, c'est une petite nouvelle que je voulais vous partager. Une autre, ça peut être un hologramme, ça peut être n'importe quoi. C'est juste une photo d'un phénomène atmosphérique, mais qui nous rappelle vraiment, hein, notre Seigneur, tant attendu, ou son retour est attendu avec impatience. Je vous reviens.